Bien, bonsoir à vous tous. Il est 19h. Mes chers collègues, j'ai grand plaisir à vous retrouver ce soir pour cette séance exceptionnelle de notre conseil municipal autour du projet de la voie lyonnaise numéro 7 Nord. J'ai en effet tenu à vous réunir au lendemain de la concertation réglementaire organisée par la métropole de Lyon et par laquelle les calurars et plus généralement les citoyens de tous horizons ont pu s'exprimer sur ce projet. S'il devait voir le jour tel quel, viendrait profondément bouleverser la qualité et le cadre de vie des Caluérards. Il m'a semblé évident que le Conseil municipal devait à son tour s'exprimer sur ce projet et notamment à la lumière des très nombreuses expressions que nous avons reçues de la part des Caluérards au cours des dernières semaines. Pour votre parfaite information, à la fin de la concertation ce vendredi 28 avril à minuit, nous avons enregistré. 14 531 pétitions, je répète, 14 531 pétitions pour maintenir la voie verte dans son état naturel actuel. C'est juste exceptionnel et cela témoigne, s'il en était encore besoin, de l'attachement viscéral des Calurares pour notre joyau vert. Elles ont été déposées ce jour par un huissier de justice à la métropole de Lyon. Accompagné des 330 contributions que les Caluérards ont validées à la suite de notre réunion de vendredi soir à la salle des fêtes. Et parmi ces 14 531 pétitions, il y a des personnes, plus de 2000, qui ont également tenu à nous adresser leurs ressentis, à apporter leurs témoignages, dont je vais vous livrer quelques extraits, tant ils sont parlants. Je cite. Je suis cycliste et j'emprunte quotidiennement la voie verte depuis deux ans et je m'oppose cependant fermement à tous ces projets. Elle doit rester un espace paisible, agréable et de tranquillité pour tous. Je cite. Notre voie verte actuelle n'a pas besoin d'être transformée. Je pense à nos aînés qui adorent cet endroit pour redécouvrir la marche et à nos enfants qui, grâce à elle, ont pu apprendre à faire du vélo. Je cite. La voie verte est un bonheur pour la famille, promenade pour les enfants, aire de jeu. Les sportifs en tout genre, qu'ils soient marcheurs, coureurs, cyclistes, on ne veut pas courir sur le bitume. Je cite. La voie verte est tellement belle comme elle est actuellement, laissons enfants, adultes et personnes âgées se promener tranquillement. Je cite. En tant que cycliste, je ne suis pas intéressé par cette appropriation des derniers espaces verts urbains. Je cite. Ce site est à considérer comme le parc de la tête d'or, végétation et vie animale très présente. C'est un lieu où nos enfants apprennent à marcher, à faire du vélo, où nos anciens peuvent déambuler sans contrainte. Je cite :« Cela fait dix ans que je cours sur la voie verte car elle n'est pas bétonnée et je protège mes articulations. » Je cite :« La voie verte est adorée avec sa gadoue, sa poussière de gravi gravier et les vélos nombreux n'ont nul besoin de bitume pour rouler. » Je cite. Il faut créer des portions réservées aux vélos qui longeraient la voie verte actuelle quand cela est possible. Je cite. Il est dommage de grignoter encore de l'espace aux piétons qui ont déjà beaucoup de mal à trouver des trottoirs. Je cite. Habitant l'avenue Marc-Sanier, je m'oppose au sens unique. C'est une aberration. Cela va générer plus de pollution à cause des bouchons que cela va créer. Je cite. J'ai 93 ans. Depuis 30 ans, j'utilise ce poumon vert. D'abord en vélo de bon matin, et maintenant que je, ne peux, que je ne puis plus en faire, en me baladant à travers les quelques vélos poussettes, bref, un monde apaisé sans vitesse de gens pressés. Je pourrais ainsi continuer longtemps. Naturellement, nous transmettrons l'ensemble de ces retours avec la délibération objet de ce conseil municipal à Messieurs Bernard et Bagnon, donc de la Métropole de Lyon, afin qu'ils en tirent les conséquences qui s'imposent. Nous donnons maintenant rendez-vous au Calurard le dimanche 25 juin prochain. Pour un grand pique-nique sur la voie verte. Et avant de commencer, je vous demandais de bien vouloir élire notre secrétaire de séance en la personne de Laurent Michon, qui est pour. Je vous remercie. Monsieur Michon, vous pouvez donc procéder à l'appel, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Maire. Monsieur présent. Monsieur Philippe Cochet, donc présent. Monsieur Comtolet. Présent. Madame Isabelle Ménan. Présent. Monsieur Robert thévenot présent. Monsieur Damien Couturier. Présent. Madame Sophie Blacher monsieur frédéric joubert, madame viviane Vebank, monsieur patrick Chappara, madame amzawiya amzawi, monsieur laurent michon, présent, madame sonia friol, madame Evelyne goyer, monsieur mamadou diallo, madame chantal crespi, madame Laure delpino, madame fabienne guglielmi, monsieur abdelaziz staki. procuration, monsieur, monsieur Chapara, euh, madame Christelle Linares, Monsieur Fabrice Balanche, Madame Maude Braque de La Perrière, Madame Isabelle Coton, Madame Patricia Chandia, Monsieur Cédric Guérin, Monsieur Franck Protery, Monsieur Nicolas Jouenet, Retard, Madame Fabien, monsieur, monsieur Fabien Manini, pardon, Monsieur Geoffroy Krief, Madame Laure Corinthe, Monsieur Bastien Join, Madame Jeanne Billa, Procuration, Madame Marie-Jo Le Carpentier, Présent. Monsieur Xavier Gillard, Mme Séverine Hémin, Monsieur Florian Fèvre, M. Laurent Attard-Bayrou, Monsieur Fabrice Matteucci, Monsieur François Dégas, Mme Cassandre Vernet avec retard. Présent. Ah, elle vient d'arriver. Parfait. Merci. Monsieur Jérôme Trotignon, Mme Sophie Géin, Monsieur Philippe Aurel Présent. et Monsieur Lionel Aberlé. Absent. Merci. Très bien. Je vais donc bah, céder la parole à M. Michon qui va présenter le rapport sur l'avis de la ville de caluire et cuire sur le projet d'aménagement de la voie lyonnaise numéro 7. Sur ce rapport, il y a donc plusieurs propositions d'amendements. Nous allons d'abord avoir la présentation des amendements et après cela, la discussion sera ouverte, bien évidemment. Le texte des amendements a été déposé sur vos tables. Pour la présentation des amendements, je donne la parole à M. Michon pour la majorité, puis ensuite au groupe Urgence écologique et enfin au groupe Calure au Cœur. Vous avez la parole, Monsieur Michon. Merci, Monsieur le Maire. La métropole de Lyon ambitionne de tripler le nombre de cyclistes et pour y parvenir d'aménager un réseau express vélo de 13 lignes et 250 km, appelé les Voies Lyonnaises. Dans ce cadre, elle a porté à la concertation du 27 mars au 28 avril, conformément aux prescriptions de l'article du Code de l'Urbanisme, le projet de Voie Lyonnaise numéro 7 Nord, qui prévoit de traverser caluire cuire via la voie verte depuis la croix rousse jusqu'à rieu la pape. Les objectifs de cette concertation ont été fixés par arrêté du président de la métropole fournir une information claire sur le projet d'aménagement des espaces publics, permettre l'expression des attentes, des idées et des points de vue, optimiser ce projet dans ses objectifs et dans les réponses à apporter. Ainsi, les Caluireurs ont-ils été invités à faire part de, leurs avis, de leur avis par écrit, notamment sur un registre spécifique, dossier administratif de concertation préalable, mais aussi sur Internet, sur la plateforme dédiée de la métropole et au cours d'une réunion publique de concertation qui s'est tenue le 5 avril dernier. Une réunion publique a également été organisée à l'initiative de la ville de la Caluire-Cuire à la fin de la concertation, vendredi 28 avril. Vu la délibération du Conseil municipal, numéro 2930 intitulé préservation de la voie de la dombe de Caluire-et-Cuire adopté à l'unanimité considérant le souhait de la ville de limiter l'artificialisation des espaces naturels considérant les efforts de la ville pour encourager la biodiversité ainsi que la création et le maintien des corridors écologiques considérant le souhait de la ville de ne pas restreindre l'accès aux services publics et commerces considérant le contrat de plan état région Auvergne-Rhône-Alpes, qui dans son volet métropolitain valide l'implantation d'un lycée en lieu et place du siège à Apicille, considérant le projet de la ville de transformer le parking privé de 300 places d'Apicille sur l'avenue marc en parking public, considérant le souhait de la ville d'offrir aux cyclistes des alternatives à la voie verte pour traverser la ville sur des pistes cyclables sur voirie, tout en renforçant les itinéraires cyclables pour l'ensemble des Caluirards. Considérant qu'au cours de la concertation, plusieurs points saillants sont apparus et ont mis en exergue que si le tracé prévu initialement par la métropole était retenu tel quel, il viendrait profondément bouleverser la qualité et le cadre de vie des caloirs. Considérant qu'au cours de la concertation, plus de 13 000 calirares croix-roussiens, riards, satonnards et habitants du Grand Lyon ont tenu à marquer leur attachement à la voie verte dans son état naturel actuel. Vu les propositions émises durant la concertation et les études réalisées par les services techniques de la ville, la ville de Caluire-et-Cuire a présenté les contributions suivantes au caluire lors de la réunion publique du 28 avril dernier. Point numéro 1 concernant la voie verte, la ville de Caluire-et-Cuire est fermement opposée à l'élargissement de la voie verte qui supprimerait des espaces verts et à un quelconque revêtement qui favoriserait l'augmentation de la vitesse des cyclistes. La priorité sur la voie verte doit être laissée aux piétons. Point numéro 2, les commerces du bas de la montée de la boucle. Le maintien du stationnement en bas de la montée de la boucle est nécessaire pour assurer la pérennité des deux commerces, qui assurent notamment des points relais-colis. Les commerces sont le repère du gic et les caves de la boucle. Il est proposé de créer une vélorue sans supprimer le stationnement. Cette portion de rue est adaptée à ce type d'aménagement. En raison du faible passage de véhicules. Point numéro 3, montée de la boucle. La piste cyclable doit être maintenue dans sa configuration actuelle sans toucher aux buts-roues existants à droite en montant, qui peuvent être utilisés par les usagers comme zone de refuge lors du passage d'un véhicule de secours. Point numéro 4, le boulevard des canuts la création de la piste cyclable devant l'immeuble en construction au 350 boulevard des Canus doit inclure une zone de livraison pour le commerce de proximité et une zone de dépose minute pour la crèche. Le cheminement des piétons doit également être gardé avec attention, surtout en sortie de la traboule qui assure la liaison entre le 53-55 Rue Coste et le 370-376 boulevard des Canus. Point numéro 5, la place Jules Ferry. La traversée de la place Jules Ferry doit prendre en compte la présence des piétons et des plantations existantes. Point numéro 6, le chemin du Pinto. Il est bien noté la prise en compte de la demande de la ville de Caluire-et-Cuire de maintenir le stationnement existant indispensable pour l'infirmerie protestante avec la création d'une vélorue sur cette partie du tracé. Point numéro 7, l'avenue Marc-Sanier. L'avenue Marc-Sanier va accueillir prochainement un lycée et un parking public de 300 places à la place des bâtiments et du parking existant d'Apicile. Elle doit rester à double sens. Il est possible de conserver un double sens automobile et de créer une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de large le long de la butte de la voie verte. Et point numéro 8, alternative à la voie verte. Les cyclistes qui le souhaitent doivent pouvoir continuer à passer par la voie verte à vitesse modérée sur son revêtement actuel en rappelant la priorité des piétons. Cependant, un itinéraire alternatif sur voirie. Doit pouvoir être proposé aux vélotaфеurs qui souhaitent traverser rapidement la ville de Caluire-et-Cuire d'une heure au sud et vice versa. Il est demandé au Conseil municipal d'acter ces propositions, de réitérer sa volonté de sanctuarisation de la voie verte dans son état naturel actuel et son opposition à toute forme d'élargissement et d'artificialisation, et de solliciter la métropole qu'elle fasse réaliser un or... par un organisme indépendant une étude d'impact environnemental, notamment sur la biodiversité, ainsi qu'une étude sur le trafic et le stationnement automobile. je vous remercie, euh, monsieur michon. j'ai demandé donc au groupe urgence écologique de bien vouloir présenter vos amendements, s'il vous plaît. bonjour, merci. Euh, nous souhaitons donc amender votre avis et vous exposer des réactions qui n'engagent que notre groupe. Évidemment, ce n'est en aucun cas une expression de la majorité métropolitaine qui fera sa propre analyse et synthèse de la concertation. Tout d'abord, réagissons à la méthode insidieuse et une manipulation stérile qui oppose les usagers. Tout ceci dans le but de manipuler, de détourner le problème et de scléroser le débat, alors même que la concertation a pour but de trouver un consensus. Par cette manœuvre politique, la majorité fragilise toute évolution des modalités de transport des habitantes et habitants du territoire de Caluire. Pourtant, depuis 2020, vous étiez au courant du projet de tracé des voies lyonnaises. Depuis 2021, vous pouviez proposer des alternatives. Depuis 2021, vous pouviez engager un plan vélo sur Caluire, prenant en considération ce projet. Mais voilà, mis à part des points d'alerte entendus par la métropole, vous n'avez pas proposé de plan vélo plus ambitieux ni d'alternative pour relier les territoires. Vous avez attendu ce dernier moment pour apparaître en grand sauveur de la voie verte. Alors, oui, nous sommes d'accord avec vous sur les grands principes. Oui, il faut lutter contre l'artificialisation des sols. Oui, il faut préserver la voie verte et sa biodiversité. Oui, il faut maintenir les accès aux services publics, au lycée, à la clinique protestante et au commerce. Oui, il faut offrir aux cyclistes des alternatives à la voie verte. Oui, il faut offrir des parcours sécurisés, quel que soit le mode de déplacement. Et oui, le projet peut être amélioré. Mais comment s'opposer à tout ceci Nous, nous ne sommes pas du tout d'accord avec votre méthode. Devons-nous véritablement perdre ici notre temps en reprenant chaque argument de votre campagne de désinformation et rétablir la vérité Citons seulement l'argument d'un adjoint sur Facebook. Les écologistes de la métropole veulent, de Lyon pardon, veulent arracher, couper des arbres, des arbustes, puis bétonner notre voie verte. C'est faux. Vous utilisez dans votre communication des contre-vérités ou agitez des arguments alarmistes sur l'artificialisation des sols, sur la perte de la biodiversité, sur le bitume, sur la vitesse, le par parking de la clinique. Vous avez agité la peur pour faire signer votre pétition. Les signataires apprécieront. Nous avons reçu des témoignages de signataires, notamment au repas des aînés, qui se sont sentis trompés après s'être renseignés sur le projet. On n'en cite qu'un, celui de Madame B. 85 ans. Je suis allé au repas des seniors, et là on m'a mis une feuille devant moi en disant signez Signez, c'est la feuille Signer la feuille, c'est pour conserver la voie verte. J'ai donc signé, machinalement, sans comprendre ce que je signais. Je regrette. Combien sont-ils dans son cas Il est normal d'avoir confiance en son maire et ses élus considérant cette campagne... Juste, Monsieur dit, Fèvre, je ne oui veux pas vous interrompre, mais simplement, je rappelle qu'il y a un temps de débat qui est prévu. Oui. Mais la première étape, c'est présenter vos amendements. Les trois groupes, donc, que ce soit la majorité, vous-même et le groupe de M. Atabérou, doivent présenter les amendements. Après le débat, là, vous êtes dans le débat. Donc, ce que je vous demande, c'est de présenter les amendements. Après, ce débat, il aura lieu. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de présenter les amendements de manière à respecter l'ordre qui a été indiqué. Je... Très bien. Je finis seulement ma phrase. Comme ça, je pourrais très bien... Euh... En présenter après. Euh, <coughs> Donc, je disais, il est normal d'avoir confiance en ses élus et euh, son maire. Considérant cette campagne de désinformation, la crédibilité de la majorité est aujourd'hui altérée et la confiance est ici rompue. Comment ne pas signer quand on vous présente le projet de cette manière avec autant d'assistance Pendant un temps, Enfin, vous aviez mis pourtant les moyens. Je vous rappelle ce que je viens de vous dire. Une oui. phrase, vous l'avez terminée. Bon, donc allez, je vous demande bien. de présenter je vos amendements. Le, Ça s'appelle simplement respecter l'ordre par rapport Tout à, fait. à des amendements. OK. Donc, <coughs> amendement du groupe Urgence écologique et solidarité pour l'avis de la ville de caluire et cuire sur le projet d'aménagement de la voie lyonnaise numéro 7. L'amendement numéro 1 dont l'objet est introduire l'avis de, la de, de la ville et cadrer les objectifs. Globalement, le l'amendement numéro 1 annule et remplace le texte de la métropole de Lyon. Le euh, pardon annule le texte. La métropole de Lyon ambitionne de tripler le nombre de caluies jusqu'à la fin ou sur euh, cycliste, pardon jusqu'à la ville de Caluire et Cuire a présenté les contributions suivantes aux calurares lors de la réunion publique du 28 avril dernier par donc la ville de Caluire-et-Cuire constate la progression spectaculaire des déplacements en vélo sur la commune, comme sur l'ensemble de, mod... de la métropole. La part modale des vélos représente 4,3% des déplacements à Caluire-et-Cuire. D'ici 12 ans, est prévu un triplement du trafic à vélo pour atteindre sur le long terme un objectif de 20% de déplacements effectués à vélo, comme déjà constaté dans d'autres villes. Il est nécessaire d'avoir des aménagements adaptés permettant de se déplacer en sécurité. Par anticipation, ce sont des aménagements qui permettent d'augmenter l'usage du vélo et donc de diminuer l'usage des véhicules individuels. La ville de Caluire et Cuire ne souhaite pas opposer les modes de transport entre eux, mais apaiser la voie verte en favorisant le partage de la voirie par tous les modes. La voie verte, est un espace de promenade apprécié de toutes et tous, piétons, promeneurs avec poussettes, personnes à mobilité réduite, sportifs, animaux, cyclistes, usagers des nouvelles mobilités, jeunes et moins jeunes, dans le cadre végétal agréable à préserver et à valoriser. Le projet de voie lyonnaise numéro 7 Nord, qui prévoit de traverser Caluire et cuire via la voie verte depuis la Croix-Rousse jusqu'à Rieux-la-Pape, a fait l'objet d'une concertation du 27 mars au 28 avril 2023, Conformément aux prescriptions de l'article L103-2-3 du Code de l'urbanisme, les objectifs de cette concertation ont été fixés par l'arrêté numéro 2023-2-02-27-R-01-27 du président de la Métropole. Fournir une information claire sur le projet d'aménagement des espaces publics, permettre l'expression des attentes, des idées et des points de vue, et optimiser... Ce projet dans ses objectifs et dans les réponses à apporter. Les objectifs de la ville de Caluire sont favoriser la progression des déplacements en vélo, mais aussi adapter la circulation sur la voie verte. Apaiser la circulation sur la voie verte. Soulager la voie, euh, la voie verte de son trafic de deux roues en soutenant des alternatives qui permettent de séparer le trafic des piétons du trafic des vélos en particulier sur la moitié des 2,6 km de la voie verte, du parking Panto, du Panto jusqu'au chemin de cachepieu. Séparer le flux piéton de tous, de tous les, modes, les autres modes de déplacement autorisés sur la portion du chemin de cachepieu au chemin petit pour rendre compatible la vitesse, limitée à 20 km/h, et sécurisée. Considérant le souhait de la, ville en, de la ville de développer la biodiversité sur la voie verte, en augmentant la strate arbustive et les arbustes d'alignement, considérant le souhait de, plan, de contrat de plan État-Région d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui dans son volet métropolitain valide l'implantation d'un lycée, hall en lieu et place du siège d'Apicile, et le projet de la ville de transformer le parking de 300 places de l'Apicile en parking municipal, considérant le souhait de la ville d'offrir aux cyclistes des alternatives à la voie verte, pour traverser la ville sur des pistes cyclables sur voirie tout en renforçant les itinéraires cyclables pour l'ensemble des calurares conformément à la version à venir du plan vélo considérant le souhait des piétons d'être séparés des cyclistes pour une meilleure sécurité vu les propositions émises durant la concertation et les études réalisées par les services techniques de la ville considérant les avis et les votes explicités durant la concertation merci Merci. Vous avez présenté également l'amendement numéro 2. Juste peut-être pour préciser, parce que par rapport à la personne qui vous a envoyé un petit mot, on avait effectivement 14 532 signataires au départ. On a retiré sa demande. Donc une demande sur 14 531 signatures, c'est bien peu. Vous présentez l'amendement numéro 2, s'il vous plaît. Au cas où, on a d'autres témoignages. Oui, alors pour l'instant, vous n'avez qu'un. Voilà, donc on nom demande de présenter l'amendement numéro 2 donne La parole à ma collègue. Donc, euh, l'amendement numéro 2 euh, qui vise à donner l'avis de la ville pour mieux partager l'espace sur la voie verte et améliorer la sécurité des piétons. Donc, cet amendement numéro 2 annule et remplace le texte du paragraphe euh, numéro 1, le point 1 sur la voie verte. Donc, les parties en herbe de la voie verte sont traités en tentes différenciées avec une bande d'environ 1 mètre de large, régulièrement tendue, et des parties laissées non tendues sur les talus de la voie verte. La partie régulièrement tendue a donc moins de valeur écologique, stocke peu de carbone et abrite peu de biodiversité. Pour améliorer la sécurité des piétons, la ville de Caluire-et-Cuire souhaite un élargissement à 5 mètres de la voie verte, sauf au passage des passerelles en prenant sur cette bande tendue, sans déplacer les poteaux d'éclairage ni couper les arbres et arbustes. La largeur de 5 mètres se composerait, d'une part, d'une bande de 2,50 mètres pour les piétons. Le revêtement pourrait rester en stabilisé pour répondre à la majorité des souhaits exprimés lors de la pétition. D'autre part, d'une bande de 2,50 mètres en enrobé, à faible émission carbone, recyclée avec un liant végétal biosourcé, de teinte claire à l'image du stabilisé, idéal pour les vélos et trottinettes et les nouveaux moyens de déplacement autorisés sur la voie verte. Une séparation physique de faible hauteur sera aménagée. Elle permettra notamment de guider les personnes malvoyantes. La réduction d'espace vert correspondant à la suppression des parties en RB qui n'ont qu'une valeur de biodiversité modérée, sera compensée par la plantation massive d'arbustes à fleurs et d'arbres pour densifier les alignements existants. La voie verte deviendra ainsi un modèle de biodiversité en augmentant la qualité des espaces plantés tout en renforçant son caractère paysager. La priorité sur la voie verte sera laissée aux piétons. Les vélomoteurs et motos seront interdits. Selon le Code de la route, à l'article 110-2, une voie verte est, je cite, une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés type fauteuil électrique, vélo électrique, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. La limitation de vitesse restera à 20 km/h et deviendra obligatoire avec des panneaux d'affichage plus nombreux, des radars pédagogiques et des opérations de contrôle de police de même que des mesures strictes selon, seront appliquées aux automobilistes dans le cadre de Caluire ville30. Dans ce sens, la ville de Caluire-et-Cuire s'engage à augmenter le nombre de contrôles de la police municipale sur la voie verte afin de dissuader la circulation des deux roues motorisées qui font peser un risque sur les piétons et de faire de la surveillance, avec le centre de surveillance, considérant l'état dégradé du revêtement actuel, avec la formation régulière de nids la ville de Caluire-et-Cuire s'engage à investir le budget nécessaire, soit sur ses fonds propres, soit sur les budgets métropolitains mis à disposition de la commune (fonds d'initiative communale dit FIC et de proximité dit Prox) afin de maintenir un revêtement d'une qualité correcte, permettant d'assurer à tout moment de l'année une circulation confortable des piétons. Donc voilà pour le 2, le 3. Voilà, donc très bien, je note effectivement, donc ça c'est l'amendement numéro 2, donc de surveiller la police, la CSU, je je n'ai pas grand souvenir, vous avez beaucoup soutenu euh, les recrutements également, la création du CSU, je ne peux pas bien soutenir, mais ah, bon, bon. c'est bien, bien d'utiliser quand même ce que vous n'avez pas souhaité. Amendement numéro 3, je vous en prie. Amendement numéro 3. Objet préciser les attentes de la ville vis-à-vis -vis de la métropole sur les cinq paragraphes détaillés suivants. Donc le troisième amendement annule et remplace les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 par Donc, 2, enfin 2, commerce bas de la montée de la boucle. La suppression du stationnement longitudinal côté trottoir permettra de faire passer le tracé de la VL7 en bidirectionnel. De 3 mètres de large. La métropole devra maintenir le nombre de places permettant de respecter la réglementation tout en assurant le fonctionnement des deux commerces de cette zone en dépose minute, avec, <coughs> par une, des places de dépose minute, place PMR, place de livraison. Détroit, 3, montée de la boucle. La ville de Caluire et Cuire considère que l'aménagement actuel, expérimenté depuis septembre 2020, puis confirmé en juillet 2022 par la métropole, Donne satisfaction. De ce fait, sur cette section, la ville de Caluire et Cuire est d'accord pour conserver le profil existant en ajoutant une bordure émergente pour séparer le flux de la voie cyclable existante du flux automobile et ainsi sécuriser les cyclistes. Le trottoir, la, végétalisation, la végétation, végétation et l'étal existant au nord devront être conservés. Les véhicules de secours pourront continuer à emprunter la piste cyclable. En s'engageant au début de la montée de la boucle, la largeur de 3 mètres permet le croisement à faible vitesse des véhicules de secours et des vélos, des vélos et trottinettes. 4. Boulevard des Canus. Pour ne pas interrompre le cheminement piéton de la voie lyonnaise, les emplacements de zones de livraison pour le commerce de proximité et le dépose-minute doivent être étudiés ou intégrés si possible dans le parking de l'immeuble en construction au 350 Boulevard des Canus. Les cheminements et les accès aux Venelles piétonnes en liaison avec la rue Coste seront dans tous les cas élargis et conservés. Pla euh, 5. Place Jules-Ferry. Comme le prévoit le projet de la métropole, la traversée de la place Jules-Ferry doit prendre en compte la présence des piétons et des plantations existantes. Pour réduire les risques liés au croisement des piétons et de la piste cyclable, le partage de la voie de bus C13, 33 et 38, 38 pourrait être étudié dans le sens sud-nord avec uniquement le sens nord-sud sur le trottoir. 6. Chemin du Panto. Comme le prévoit le projet de la VL7, les places de stationnement existantes, indispensables pour l'infirmerie protestante, seront maintenues. La ville de Calure-et-Cuire souhaite que la métropole ne donne pas suite aux avis émis dans le cadre de la concertation qui propose de supprimer des places de stationnement sur ce parking. L'amendement numéro 4, donc, dont l'objet est de partager la rue Marc-Sangnier entre les piétons et les véhicules en préservant la qualité de vie des lycéens, l'environnement et réduisant les coûts. Donc, cet amendement 4 annule et remplace le paragraphe 7, intitulé Avenue Marc-Sangnier. L'avenue Marc-Sangnier va accueillir un lycée dans les locaux de la piscine et le parking existant de 300 places deviendra public. Durant toutes les années d'utilisation de ce parking par les employés d'Apicille, les flux de voitures ont montré que le passage en sens unique de la rue Marc-Sangnier est possible, vu la faible circulation dans le sens sud-nord. Pour garantir plus de sécurité et de santé, moins de pollution, moins de nuisances et une meilleure qualité de vie des lycéennes et lycéens, les abords d'un lycée doivent être préservés d'un flux à double sens des automobiles. L'entrée-sortie d'un parking sur une voie à double sens constitue une zone à risque à éviter à proximité du passage de lycéennes et lycéens ou des agents, qu'ils soient à pied ou à vélo. Le maintien de deux voies de circulation automobile sur la rue Marc-Sangnier en taillant le talus sur 1 à 3 mètres pour élargir la rue afin d'y loger une piste cyclable de 3 mètres à l'inconvénient d'artificialiser inutilement les sols. Cela impacte par ailleurs le coût du projet par la construction ponctuelle de murs de soutènement. La proposition de la métropole de mettre en sens unique les rues de l'avenue Croix-Roussien et Marc-Sangnier est la meilleure solution pour limiter les flux et sécuriser les accès cyclables et surtout piétons en séparant les flux sans travaux de voirie onéreux. Le projet de la métropole propose de changer le sens de circulation des voitures sur la rue Curie. Le long du stade, la ville de Caluire-et-Cuire souhaite des études complémentaires pour déterminer le sens à garder et que soit pris en compte la possibilité de double sens cyclable avec une voie décente protégée des portières gauches des voitures. Présentez l'amendement numéro 5, s'il vous plaît. L'amendement numéro 5, dont donc pour objet la ville affirme dans cet amendement être favorable pour que toutes les alternatives à la voie verte soient étudiées. Le cinquième amendement annule et remplace le paragraphe numéro 8, alternative à la voie verte. Jusqu'à la fin du, 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 du texte, par la voie verte ne peut plus être l'unique artère centrale du plan vélo de et cuire Une concertation avec les parties prenantes, usagers, associations, services techniques, doit faire émerger toutes les alternatives pour soulager la voie verte en permettant des déplacements sécurisés. Dans un contexte de ville 30 km/h, des pistes cyclables en site propre et des bandes cyclables sont possibles. Depuis la concertation Ville durable de 2018, le rapport indigo et les programmes aux élections municipales avec, en particulier l'engagement de la majorité de doubler le linéaire de pistes cyclables, les besoins des cyclistes sont connus. Il faudra permettre la desserte de proximité et les traverser sur les axes sud-nord. Rue Coste, François Pressel, rue Jean-Moulin, avenue du Général de Gaulle, rue Pasteur. Et avenue Général Leclerc, en particulier les alternatives, par la rue marc saunier et l'avenue Louis-Dufour vers l'avenue du Général Leclerc. Du rond-point chemin petit et de l'avenue Général Leclerc au chemin de Cachepieux, par l'avenue du Général Leclerc et le rond-point de la Place Foch. De la montée de la boucle vers le rond-point de l'hôpital de la Croix-Rousse. Et vers le chemin de Cachepieux et la place Poche, rue de Marniol, route de Strasbourg et clé, -Quémenceau. clé -Quémenceau. Il faudra aussi assurer les liaisons transverse, transverse, traversantes suivantes entre la voie verte et les axes parallèles, voie cyclable double sens sur les rues Martin-Basse et chemin de Cachepieu. entre la VL7 et la Saône par les montées Castellane et des Forts. Entre la VL 7 et le Rhône, à proximité de la montée des soldats, sans passer par la montée de la boucle. Pour intensifier le maillage vélo de Caluire-et-Cuire, la faisabilité technique et économique de toutes les propositions d'alternatives issues de la concertation ou ultérieure devront devra être, devront être étudiées par les services de la métropole en concertation avec les parties prenantes et la ville de Caluire-et-Cuire. C'est l'occasion pour notre ville d'actualiser son plan vélo. Il est demandé au Conseil municipal d'acter ses propositions, d'affirmer sa volonté de développer la biodiversité de la voie verte pour en faire un modèle d'écologie et de la faire évoluer pour une meilleure cohabitation entre les piétons et les autres usagers à roue. Merci. Je vous remercie. Je vais donc demander à Kelly Rockeur de bien vouloir présenter ses amendements, s'il vous plaît. Merci donc, Monsieur le maire, donc, euh, mes chers collègues. Euh, ces amendements donc, sont présentés donc, sur un principe, celui donc, de l'utilisateur des voies rapides donc, à vélo, donc, rue Garibaldi, où euh, donc, chaque jour, donc, on a donc, à essayer donc, de cohabiter donc, avec le vélo et surtout à grande vitesse. Le premier amendement, donc, nous avons travaillé donc, sur le texte et uniquement donc, présenté donc, des amendements donc, au, au texte. Euh, sur le premier amendement. Donc, le premier amendement, donc caluire donc, voudrait, donc, ajouter, donc, euh, donc euh, voudrait ajouter que la ville donc, est opposée donc à l'utilisation de la voie verte donc par des vélos donc, et trottinettes adultes. Donc ça c'est donc le premier point donc le premier amendement. Le deuxième amendement, donc, qui est donc, le point, sur le point 6, il est noté donc, la prise en compte donc, de la demande de la ville de caluire et Cuire de maintenir et de développer le stationnement existant indispensable donc, pour l'infirmerie protestante et demande la suppression de la création donc, de la, de la, du vélo-rue. Ça, c'est le deuxième donc, amendement. Troisième amendement, donc, <coughs> qui fait suite donc, au point donc, numéro 7 il est possible de conserver donc un double sens donc automobile et de créer donc, une piste cyclable dans le sens de circulation ça c'est donc pour le point 7 sur le point donc euh, 8e amendement la ville de Caluire donc et son conseil donc municipal sont opposés à l'utilisation de la voie verte par des cyclistes et trottinettes adultes et demandent à ce que cette voie verte soit uniquement accessible aux piétons voici donc euh, et j'ai donc euh, aussi donc euh, euh, voici donc nos amendements, donc Monsieur le Maire. Très bien. Je, je vous remercie, Monsieur Matteucci. Vous n'avez pas d'amendement particulier. D'accord. Euh, je crois euh, Monsieur Michon que vous avez également, oui. en fonction de ce qui vient d'être dit. J'ai un amendement voilà. euh, à la suite du, du paragraphe 8 de la délibération, donc sur l'alternative à la voie verte. L'itinéraire alternatif sur euh, Voirie serait la conservation du double sens pour les automobiles sur l'avenue Marc-Sanier et la rue de lavenir coire avec la création d'une piste bidirectionnelle de 3 mètres de large le long de la Voie verte jusqu'au chemin de Cachepieux. Cet itinéraire pourrait notamment être complété par une piste cyclable unidirectionnelle dans le sens sud-nord qui emprunterait l'avenue Marc-Sanier, la rue des combattants d'AFN, l'avenue Dufour, le chemin de Crépieux et l'avenue Général-Leclerc. Dans le sens nord-sud, la piste unidirectionnelle pourrait notamment suivre l'avenue Général Leclerc, la place Maréchal-Foch, la rue Pasteur et le chemin de Cachepieux. Je vous remercie. Maintenant que les amendements et sous-amendements ont été soutenus, passons bien sûr à la discussion. Je vous redonne peut-être la parole, Monsieur Fèvre, si vous vouliez poursuivre donc le, la digression que vous aviez commencé à faire, je vous en prie. Excusez-nous, oui. nous euh, n'avions nous pas tout à fait compris. C'est une erreur de ma part. Sans doute. Alors, excusez-moi, avant de vous donner la parole, il y a un sous-amendement également, oui, qui un sous-amendement à, à l'amendement de, de Monsieur euh, Atarbayrou du groupe caluire rocker euh, que je souhaite euh, présenter, s'il vous plaît, concernant euh, la voie verte et son élargissement. Euh, donc, vous indiquez. La, je, je vous donne mes, mes, mes modifications. La ville de Caluire-et-Cuire est fermement opposée à l'élargissement de la voie verte, qui supprimerait des espaces verts et altérerait, et non pas modifierait, nous, nous indiquerions altérerait euh, la biodiversité, ainsi qu'un quelconque revêtement qui favoriserait l'augmentation de la vitesse des cyclistes. La ville de Caluire-et-Cuire, je propose d'abîmoter euh, et cuire à cuire. La ville de Caluire-et-Cuire euh, rappelle. Nous ne sommes pas opposés à l'interdiction, mais nous rappelons l'interdiction de toutes les trottinettes et vélos à assistance électrique débridés sur l'ensemble de son territoire. Voilà, donc euh, ma proposition, c'est de remplacer est opposé à l'utilisation de la voie verte par des vélos et trottinettes adultes par rappeler l'interdiction de toutes les trottinettes et vélos à assistance électrique débridés sur l'ensemble de ce territoire. Ce qui donne le sous-amendement suivant. La ville de caluire est fermement opposée à l'élargissement de la voie verte qui supprimerait des espaces verts et altérerait la biodiversité, ainsi qu'un quelconque revêtement qui favoriserait l'augmentation de la vitesse des cyclistes. La ville de Caluire-Écuir appelle l'interdiction de toutes les trottinettes et vélos à assistance électrique débridées sur l'ensemble de son territoire. Merci. Je vous remercie. Donc, je vous en prie, pardon, M. Fèvre, je vous redonne la parole. Pas de souci. Pas de souci entre usages croissants, enjeux économiques, écologiques et sanitaires, soyons honnêtes, il faut avancer. Les enjeux sont trop grands. En 2021, la Métropole avait eu en effet comme ambition de tripler le nombre de cyclistes d'ici 2026, soit une hausse de 38% par an. Depuis 2019, soit avant l'arrivée des écologistes à la Métropole, le nombre de cyclistes, enfin, le nombre de cyclistes augmente de 30% par an. Par ailleurs, entre 2021 et 2022, la ville à vélo a compté plus 42 de cyclistes en plus sur le plateau nord. Cela étant dit, nous avons écouté les témoignages, lu les interrogations et les craintes des usagers de la voie verte, des habitantes et habitants de Caluire. Nous avons conscience que le projet de la voie lyonnaise numéro 7 puisse inquiéter. Nous prenons donc acte des 14 531 signatures, c'est pour cela que nous sommes déterminés à trouver un projet qui convienne à toutes et à tous, qui réponde aux alertes sur la sécurisation des piétons et des plus fragiles, ou encore la préservation du cadre de vie. Vous expliquez être attentif aux plus fragiles, aux piétons, aux personnes à mobilité réduite, aux enfants et à nos aînés, à la préservation de nos espaces naturels de façon pérenne, du caractère apaisé de notre ville nous aussi. Proposons aujourd'hui une réelle solution pour les piétons et les cyclistes. C'est pour cela que nous venons de vous présenter un amendement visant à maximiser la séparation des flux. C'est pour cela que nous, vous avions proposé, nous avons proposé un amendement visant à soulager la circulation sur la voie verte en permettant des alternatives sécurisées et continues pour les cyclistes sur les axes parallèles. Comme vous, nous sommes plus qu'attentifs à la biodiversité et à la qualité des espaces paysagers. Dans ce sens, en compensation des quelques centaines de mètres carrés impactés par le projet, nous insistons dans un amendement présenté sur l'intérêt de conforter les qualités paysagères et écologiques des espaces bordant la voie verte, perçus comme un parc linéaire, et dans le but de maintenir le caractère apaisé de ces derniers. La voiture est coûteuse pour nos finances publiques, pour les Calurardes, pour les calurards aussi, pour notre santé. Et donc, encourager les modes de déplacement alternatifs devrait être ici notre priorité. C'est pour cela que nous vous proposons un amendement. Nous avons proposé un amendement explicitant la nécessité d'aménagements cyclables, quel que soit leur tracé, tant qu'ils répondent aux besoins, notamment des taffeurs. C'est pour cela que nous vous propos, Nous avons proposé un amendement qui prend en compte les évolutions des modes de transport, qui accompagne leur développement sans altérer le confort et la sécurité des autres modes qu'ils soient piétons, bus ou cyclistes. Pour protéger les prules fragiles, avez-vous la même vigilance vis-à-vis -vis des automobilistes Vous opposiez les automobilistes, les automobilistes aux cyclistes. Maintenant, vous opposez les cyclistes aux piétons. En réalité, la cohabitation entre les cyclistes et les piétons est possible. C'est pour cela que nous vous avons proposé un amendement réaffirmant la nécessité de mise en place d'une ville 30 pour harmoniser et apaiser les déplacements entre tous les usagers, quel qu où qu'ils soient et quels qu'ils soient. C'est pour cela que nous vous avons proposé un amendement qui vise à garantir plus de sécurité, moins de pollution, moins de nuisances et une meilleure qualité de vie et surtout une accessibilité apaisée aux futurs lycéennes, lycéens et agents. Merci. Je vous remercie. Monsieur Matoussi. Je vous remercie. En tout cas, je, je remercie chacun et chacune des, des collègues qui ont travaillé sur des, des amendements autour de, de ce projet. Et on voit avec la, 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 la quantité d'amendements le travail qui a été réalisé et je pense que c'est tout à fait important de, de le rappeler. Pour ma part, je n'ai pas fait d'amendement. Euh, bah, pour une raison simple, c'est, euh, euh, il me semble que ce débat il est un petit peu, euh, un petit peu faussé. Euh, pourquoi Parce que à partir du moment euh, où on lance une campagne euh, sur un nom, euh, sur un élément qui est à la fois euh, euh, freinant et péremptoire, en fait, on empêche, on empêche le débat. Donc je, 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 je me dis, peut-être à tort, que euh, travailler sur des amendements c'est important, ça permet de réfléchir. Toutefois, je ne suis pas sûr que euh, vous soyez dans des dispositions d'esprit permettant de pouvoir les entendre. Mais peut-être euh, je vais me tromper, on, on verra à, à, avec le vote. Euh, en tous les cas, ce, ce, ce projet euh, me semble intéressant. D'abord, ce qu'on peut dire, et, et, et je regrette d'ailleurs que vous ne l'ayez pas mis en propos liminaire, c'est que d'abord, euh, la métropole, alors ça vous le dites, mais la suite vous ne le dites pas, la métropole a répondu quand même à deux objectifs qu'elle s'était fixés, à savoir fournir une information claire sur le projet d'aménagement des espaces publics en général, et notamment euh, tous, les, tous les aménagements par rapport à la, à la voie lunaise numéro 7, et permettre l'expression des attentes, des idées et des points de vue. En l'occurrence, euh, les réunions de concertation ont eu lieu. On a vu que les personnes qui euh, voulaient exprimer euh, leur désaccord ont pu les exprimer. Les représentants de la métropole ont pu aussi apporter des éléments et, et des arguments. Et au sortir de cette réunion, peut-être que tout le monde n'était pas resté figé dans sa position. Euh, de, de préservation, mais pouvait être en capacité d'entendre euh, qu'il y avait des alternatives. Euh, car en effet, dans le nom que vous posiez, vous posiez un nom en disant il va avoir une autoroute et on va détruire la, la voie verte. Alors, moi, je ne sais pas. J'ai assisté à la réunion et, et j'ai lu le dossier. Il me semble quand même qu'il y avait des hypothèses et que ce qui a été annoncé, c'est n'est pas... Et moi, en tout cas, je n'ai pas lu le mot autoroute. Voilà, personnellement. Euh, je n'ai pas eu l'impression euh, qu euh, que ça soit quelque chose de fermé. Euh, quelque chose d'obtus, mais plutôt euh, voilà, des hypothèses et euh, des hypothèses euh, qui restent ouvertes. Donc euh, je, je regrette quand même que, 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 voilà, que, que vous n'ayez pas, pas cité au moins euh, cette qualité euh, euh, qui s'est ouverte et qui correspond vraiment à de la constatation. Le troisième objectif hein, qui est annoncé par la métropole dans le cadre de ces concertations, c'est euh, aussi euh, l'évolution en fonction des réponses qui vont être apportées. Alors notre concours de ce soir. Euh, ils participent, mais c'est ça, la concertation aussi. Et je pense que c'est un, un bel exemple pour notre ville et, et un exemple euh, sur lequel on devrait euh, euh, s'appuyer. Euh, en fait, il y a aussi un élément euh, qui me semble important. Je, je, je vous avoue que je, je n'arrive pas, et je pense que c'est là où le débat il est un peu fossé, je n'arrive pas à savoir réellement votre point de vue sur la voie Lyonnaise 7. Je vois le point de vue sur la voie verte mais je ne vois pas le point de vue de notre ville sur la VL7. Est-ce que nous sommes pour ou est-ce que nous sommes contre Donc ça, je ne le vois pas, et, et moi, ça, je, je vous avoue que, que, que ça m'interpelle. Euh, en effet, la, la voie lyonnaise numéro 7, bah, écoutez, ça répond à une stratégie euh, nouvelle, une stratégie peut-être bouleversante, qui est portée par la métropole et qui va dans le sens de l'augmentation de nos pratiques de déplacement, des pratiques... On l'a déjà cité, qui sont moins polluantes et qui passent par le transport en commun, le vélo, et qui posent la question en fait de la façon dont chacun d'entre nous euh, fait usage de l'espace public, de la voie publique, à la fois quand nous sommes dans notre voiture, quand nous sommes sur notre vélo, ou quand nous sommes sur notre trottinette, ou quand nous marchons. Et suivant la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons une posture qui est relativement différente. Certains d'entre nous vont hurler en voiture sur ceux qui avancent pas, et dans le même temps, quand ils vont être peloton, ils vont hurler sur les voitures qui ne les laissent pas passer. Donc il y a des fois des comportements un peu surprenants. Cette impulsion en fait stratégique qui est donnée par, par la, la métropole et bon, je regrette qu'en fait elle fasse part d'une condamnation un peu systématique, euh, elle ne me semble pas être là pour empêcher les unes et les autres personnes de notre commune, de notre métropole, de se déplacer mais bien d'organiser autrement nos modes de déplacement dans le souci de l'avenir. De nombreuses métropoles européennes se sont engagées dans cette stratégie. La métropole, qui est une métropole assez importante et nous en faisons partie, s'engage également dans cette, dans cette logique et je, il me semble que c'est très bien. Donc les voies lyonnaises euh, sont une proposition structurante, mais comme elles sont une proposition structurante, elles nous bouleversent, elles nous tiraillent, elles nous percutent. C'est vrai que les propositions qui sont faites... Elles nous mettent en question sur la manière dont nous usons de la ville et des différents espaces. Alors, moi, je, je vous avoue que la voie verte c'est un lieu que je fréquente, comme chacun d'entre nous. Chacun a son horaire. Certains vont y courir, d'autres vont y promener le chien, d'autres vont promener les enfants, d'autres vont y faire du vélo. Mais je pense que nous avons tous un usage sur un petit tronçon ou sur la longueur de la voie verte. Nous avons un usage de cet espace. Que nous ne sommes appropriés, euh, voilà, depuis qu'elle a été aménagée. Alors, dans cet aménagement, quand même, euh, je, je, je me dis qu'il y a peut-être par rapport à notre ville euh, quelque chose qui est, il y a une espèce d'incohérence tout de même. C'est euh, que d'un côté, euh, on, dans ce que il nous est présenté euh, et ce qui est annoncé, on est contre l'artificiation des sols. Enfin, quand même, le sol minéral qui est plein de trous, il est un peu artificiel quand même. Je ne suis pas sûr qu'il absorbe la totalité de l'eau. De en tous les cas, quand il pleut. Euh, si vous avez l'occasion de fréquenter la voie verte quand il pleut, c'est assez, euh, assez particulier. En plus, euh, cette question autour de l'artificialisation, moi, je vous avoue que je, je, là, je, des fois, ça me laisse pantois. Euh, Marqué, ça m'endort la nuit, donc euh, finalement, euh, ça me berce. Euh, parce que quand je lis ça et que je vois la cour de l'école Monde Suisse, je me dis, il y a un problème. Euh, quand je lis ça et que je vois que pendant longtemps, vous avez défendu le projet Truffaut, qui artificialisait, qui artificialisait une partie. De, euh, de la terre des lièvres et que maintenant, vous dites bah ben non on va la passer en zone agricole alors qu'avant vous disiez c'est impossible alors moi je vous avoue que là l'artificiation, il va falloir m'expliquer euh, ce que vous entendez hein. franchement là j'avoue que je suis un peu perdu mais peut-être je... que je suis pas suffisamment j'ai terminé j'ai terminé, terminé, terminé je vous laisse vous exprimer on n'est pas simplement dans une discussion de non, comptoir non, mais je... vous ne présentez aucun amendement non mais j'ai droit de vous un respectez un débat, le débat. travail qui a été fait des uns et des, des un autres débat. et c'est un débat. si vous aviez lu les amendements des uns et des autres il y la réponse déjà à 99% de l'intervention eh ben je vais arriver vous me permettez je vais arriver sur sur les amendements euh, qui ont été présentés euh, par, euh, par chacun d'entre nous. Euh, des amendements, en l'occurrence, euh, voilà, on découvre pour, là, euh, sur le moment. Alors, c'est vrai qu'ils sont nombreux, ils sont denses. Euh, voilà. Mais je, je, voilà, je tenais quand même à dire que je m'interroge quand même sur notre point de vue sur la, la VL7. Et puis, je ne je reviendrai pas sur le principe de méthode qui a été donné par euh, les collègues d'urgence écologique euh, euh, et, et sociale. Voilà, euh, pourquoi un conseil municipal alors qu'il n'y a pas eu de commission générale, il y a eu une présentation publique, enfin bon, c'est un peu fait à l'envers, mais bon, voilà. Euh, sur les amendements qui sont présentés, il me semble quand même que finalement, ce soir, on devrait être là pour deux choses. Un, comme vous le dites, c'est préservons la voie verte. OK Préservons la voie verte. Mais la deuxième chose, c'est quels sont les tracés alternatifs Et c'est finalement ces amendements-là qu'il faudrait qu'on étudie. C'est ça, c'est sur ça qu'on devrait... Euh, mais vous rigolez, Monsieur Cochet, Et, mais vous, vous êtes dans le conseil municipal ou pas Vous avez entendu, mais, entendu ce qu'ont dit vos collègues Mais je suis mais au conseil municipal. Mais, le mais écoutez, vous pouvez halluciner tant que vous voulez. Moi, je, je, je m'exprime. Je suis désolé. Vous pouvez ne pas être d'accord. Il me semble quand même que dans les amendements qui ont été présentés, ils sont tous de qualité. Mais nous devrions être ce soir dans le cadre de l'avis que nous donnons sur la VL7. Nous devrions être, certes, pour dire. Que la euh, voie verte est un espace que nous souhaitons euh, préserver et faire en sorte qu'il reste le plus naturel possible. Et nous devrions une proposition euh, de voie alternative, et pas dans un euh, dans, une, dans, dans quelque chose qui se terminerait en disant euh, nous voulons pas ça, mais nous voulons pas ça, et nous voulons pas... enfin voilà. Donc euh, certes, il y a des propositions, euh, je reconnais, qui peuvent être intéressantes euh, sur la sur la montée de la boucle, par exemple. Après, sur les questions de stationnement, c'est encore autre chose. Enfin voilà. Donc euh, je tenais à m'exprimer et je réitère à nouveau mon plein soutien et à l'ensemble des collègues qui ont rédigé ces amendements. Et je tiens aussi à vous remercier de petits paragraphes que vous avez ajoutés avant de le délibéré sur des alternatives possibles. Donc c'était pour le un des points qui manquait. Merci. Je note que vous remerciez donc l'ensemble des contributions, y compris celle de la majorité, bien sûr. Donc, j'y suis sensible. Et donc, Monsieur Michon, vous pourriez rajouter quelque chose avant de passer la parole Donc à Monsieur Atarbéou Oui, euh, Monsieur Matocci, euh, si vous aviez assisté aux réunions publiques euh, du mois d'avril, euh, vous y étiez bah, Oui, bah, celle du 28, elle était à la salle des fêtes. Donc, si vous étiez là, c'était pas la bonne adresse. Euh, vous auriez entendu. Vous auriez entendu ce que l'on a dit sur la sur la voie lyonnaise 7 et sur les voies lyonnaises en général. La ville. De... Non mais je vous réponds puisque vous disiez je ne sais pas si la ville s'oppose à la voie lyonnaise 7 ou pas. Euh, je l'ai. Monsieur Matteucci, supportez qu'on réponde, qu'on réponde à, à vos propos de comptoir. Hein. Oh. Ça, ça ne peut pas avoir d'autre terminologie par rapport à des éléments qui sont factuels. Voilà, on n'est pas au bar des amis ici. On est au conseil dès, municipal. Dès lors, vous m'appelez Monsieur Matteucci, voilà. tout se passera bien. Donc la voie lyonnaise 7 comme toutes les autres voies lyonnaises la ville de Caluire n'est pas opposée sur le principe et moi-même vous le savez en tant que cycliste je serais bien idiot de ne pas être favorable à des aménagements cyclistes euh, tels que les voies lyonnaises. Simplement à un moment donné quand les voies lyonnaises sont amenées à passer sur euh, nos territoires et à dénaturer euh, la configuration et en particulier la voie verte, euh, il me semble qu'il est dans notre devoir d'élu de comme l'a dit monsieur Febvre de sauver euh, la voie verte et, et euh, croyez-moi, nous en sommes bien heureux si nous, a, si nous avons réussi et, si, et nous l'espérons en tout cas si nous avons pu sauver la voie verte. Alors, je, je, je vous laisserai euh, ensuite reprendre la parole sur, sur les différents points, mais euh, si on a fait une campagne de désinformation, comme certains le laissent entendre, euh, je note quand même, euh, M. Fèvre, que vous finalement tenez compte des plus de 14 000 euh, pétitionnaires, 531. 14 531, vous avez dit que vous en preniez acte et vous en teniez compte. Euh, donc si vous en tenez compte, c'est qu'il y avait peut-être une raison, à un moment donné, euh, que l'on s'oppose à un revêtement euh, et à un élargissement sur la voie verte. Euh, en tout cas, j'ai bien pris note de votre, de votre remarque euh, là-dessus. Et voilà après sur les différents points. Bon, on ne va pas revenir dessus. je crois que le principe, il était clair. il a été édicté que ce soit de la désinformation. chacun emploie, emploiera le mot qu'il veut. le résultat est là. on a plus de 14 531 signatures pour dire non à l'élargissement de la voie verte et non à un revêtement en dur, quel qu'il soit écologique ou pas, non à un revêtement en dur qui favoriserait la vitesse du vélo. je pense que voilà, il n'y a pas besoin de de chercher plus loin, de dire qu'on a, qu a pinaillé ou qu'on a cherché à désinformer euh, les photos en plus qui ont été transmises par la métropole, montrant la photo de la voie verte avec le mélange des vélos et euh, des piétons, étaient assez, assez clair et c'est ce que les calurards ne veulent pas. Voilà. Je vais céder la parole à, bien sûr à M. Atarberou, Monsieur, Atterberou, Monsieur Atterberou, qui doit également donc, intervenir après nous aurons le débat. Je veux juste également rappeler que simplement euh, Madame Le Carpentier, quand vous évoquiez euh, que c'était pas bien grave si euh, on artificialisait certaines parties, je vous rappelle simplement dans une cuillère à café, une cuillère à café, c'est pas bien grand, vous avez euh, des milliers d'espèces et des millions euh, d'éléments de, qui sont composés par rapport à la biodiversité. La biodiversité du sol, elle est presque aussi importante que celle qu'il y a en dehors du sol. Ne jamais l'oublier. Et pour nous, c'est un point important. Monsieur Attabé, vous avez la parole, s'il vous plaît. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc, euh, à ce point donc, de discussion, euh, deux choses, comme je l'ai rappelé donc, tout à l'heure, euh, tous les jours, je vois l'utilisation de la voie rapide donc, à vélo, rue Garibaldi. J'essaye donc de... de de traverser déjà, donc il faut éviter donc les, vé les, les vélos. Après, donc il faut éviter donc les voitures pour essayer donc de se rendre donc à un autre point. Donc il y a un problème de cohabitation. Il y a un problème de cohabitation. Il y a un problème d'éducation donc des vélos qui se croient maintenant donc euh, un petit peu donc les rois donc du excusez-moi donc le terme donc du macadam. Et deuxième chose, mon expérience c'est aussi celle donc du parc de la tête d'or. Quand on parle de biodiversité. Euh, Excusez, donc mais donc au Parc de la Tête d'Or, donc on l'a vécu, on l'a cultivé donc cette biodiversité, et qu'à un moment donné, au Parc de la Tête d'Or, qui est un très beau parc paysager, le troisième donc en Europe, le deuxième qui a été construit donc en, en Europe aussi, euh, il n'y a pas de vélos, il y a juste les vélos enfants, parce que donc et donc des promeneurs sereins. On donc c'est pour au ça. Même endroit, que... alors, hein ah, bah excusez-moi, donc j'ai travaillé pendant 20 ans, donc euh, vélos, je sais à peu hein. près donc. Euh... Il y a des vélos. Hein j'ai Vous laissez s'exprimer, dans... voilà. Monsieur Tarbiou, s'il vous plaît. Et donc, si toutefois donc, il y avait, donc les vélos donc, ont été donc remis, il faudrait donc pouvoir donc permettre aux piétons de pouvoir donc traverser donc les routes donc, correctement donc sans donc regarder donc à droite, à gauche parce que il y a aussi donc un problème donc, de circulation, de sens de circulation donc des vélos. Maintenant donc je suis donc aussi donc un conducteur. Le conducteur donc a donc à se soucier donc des panneaux, des commandes donc des feux. Et maintenant, donc, il est à se soucier donc du double sens donc des vélos. Tant qu'on n'aura pas donc réglementé, régulé donc le transport donc et donc le, la circulation donc des vélos, Lyon sera donc de plus en plus comme donc peut-être Caluire sera donc une ville de circulation anarchique. Il y a donc il est temps de remettre de l'ordre dans tout ça. Une voie rapide ou une voie donc propre pour les vélos, oui, mais organisée qui ne prend pas sur le temps donc du piéton, donc de promenade donc du piéton. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie monsieur Michon par rapport aux différentes interventions. Oui, merci monsieur le maire, juste reprendre euh, en effet quelques points qui ont pu être euh, mentionnés dans les dans les amendements euh, notamment euh, sur le souhait euh, des piétons d'être séparés des cyclistes pour une meilleure sécurité que vous indiquiez euh, je pense que les 14 531 personnes qui ont signé la pétition euh, sont assez claires sur le fait qu'il ne fallait pas toucher à la voie verte donc là dessus euh, la réponse est donnée euh, sur la notion également d'élargissement euh, à 5 mètres euh, de la voie verte, ben, là aussi on a clairement indiqué que ça n'était pas un souhait et si je vous rappelle que la métropole euh, c'est pas 5 mètres, c'est 7 mètres l'élargissement si on a une voie vélo et une voie euh, cyclable ben, vous pourrez reprendre euh, les documents euh, qui sont euh, en ligne et qui nous ont été présentés en co au COPIL euh, en janvier euh, concernant la montée de la boucle euh, je ne sais pas si vous êtes allé rencontrer les deux commerçants mais en tout cas moi j'ai pris la peine de m'y rendre euh, c'est réellement une difficulté, si demain il n'y a plus les stationnements euh, je pense qu'il n'y aura plus non plus les commerces en tout cas c'est les discussions que l'on a pu avoir et n'oubliez pas qu'il y a aussi des habitants à cet endroit là qui se garent ici, il n'y a pas de cours ou de parking souterrain. Donc, quelle solution euh, vous leur apportez Moi, en tout cas, euh, je n'en ai pas pour eux. Donc, euh, il est nécessaire de maintenir ce stationnement et c'est pour ça qu'on propose la Vélorue. Euh, voilà, sur les différents autres points, après, bon, il y a la, la notion d'avenue de, 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 marc Sannier euh, à sens unique, que vous souhaitez garder à sens unique, parce que, soi-disant, il y aurait peu de circulation et que ça permettrait de continuer une fluidité. Mais le report de circulation sur les autres voiries, et en particulier dans le centre-bourg, ça va être quand même relativement problématique, puisque ceux qui voulaient aller du sud au nord, en passant par marc vont être détournés par le centre-bourg, ce qui fera encore plus de circulation à ce niveau-là. Et on passe, ceci étant dit, devant la rue Pierre-Terrasse. Il me semble qu'il y a une école rue Pierre-Terrasse. Donc, augmentation de la circulation. Pourquoi pas chez les lycéens, mais à l'école primaire, ce serait, ce serait mieux. Moi, je n'en suis pas, en tout cas, persuadé. Quant aux différentes propositions que vous émettez dans votre point numéro 8 sur les alternatives, donc différentes contributions, bah écoutez, vous aviez aussi la possibilité de les mettre en ligne sur le site de la concertation de la métropole. Hein. Ce que vous avez fait, alors, bon, euh, je regrette, vous n'avez pas reçu beaucoup de, de votes. Euh, ce, 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 so, bah, écoutez, euh, voilà, nous, on, 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 on est allé jusqu'à plus de 500 votes sur certaines de nos propositions. Après. Euh, peu, peu, peu importe, le, le but n'est pas de polémiquer, mais à un moment donné, il faut tenir compte aussi des souhaits euh, des uns et des autres sur ces, différents, euh, sur ces différents sujets. Voilà en tout cas ces différents éléments que je voulais donner. Et M. Atabayrou, j'en suis confus, mais sur l'interdiction euh, des, des... Encore une fois, c'est ce que je mettais dans mon amendement. Euh, interdire les vélos adultes, euh, ça reste quand même problématique. Si vous accompagnez des enfants euh, en bas âge sur la voie vélo, euh, vous les laissez aller tout seuls, vous y allez du coup à pied. Et puis interdire, interdire, interdire... interdire Interdire, je pense qu'on en a un petit peu jusque-là tous avec ce qu'on peut nous mettre dans la tête euh, d'interdire ceci, d'interdire cela. Laissons un peu de liberté. Si chacun était un petit peu plus euh, civique sur ses déplacements et sur son comportement, on n'en serait pas amené à interdire ceci et interdire cela. J'en prie, M. Tabérou. M. Michon, donc, euh, il est interdit d'interdire. Ça, c'était un slogan. Mais à un moment donné, donc, euh, quand on n'interdit pas... Euh, qui c'est qui donc fait régler qui, qui règle donc un petit peu donc euh, la bienséance c'est aussi donc la police et quelque part donc les policiers municipaux auront donc à essayer donc d'arrêter donc les contrevenants les possibles contrevenants pour savoir donc s'ils ont donc un vélo donc débridé ou pas débridé je leur souhaite beaucoup donc de comment, donc, de, de courage et en même temps moi, j'invite tous ceux qui veulent, donc euh, rue Garibaldi, donc au 178 rue Garibaldi, je leur payerai donc un café, on passe donc euh, trois quarts d'heure, donc une, de, une heure devant notre local, et on verra. À un moment donné, il faut trancher. C'est notre rôle en tant, donc, euh, en tant que membre donc, de ce conseil municipal d'adopter donc une politique. Et comme on sait très bien que certains donc, sont soit mal élevés, soit mal éduqués, où on peut l'intérêt du, du voisin, ben, on est obligé aussi d'interdire. Je vous remercie, M. Gillard. Je crois que vous vouliez intervenir, ou Monsieur Ferro Non, ah, oui, j'interviens bah, parce que M. Gillard a une petite extinction de voix. Donc, je le remplace. Ou en tout cas, l'assiste. Euh, pour les signataires, bon, bah, comment vous dire vous, Comment on ne pouvait pas signer à la pétition telle qu'elle était présentée vous avez mis les moyens, vous avez quand même neuf pages dans rythme, des flyers, des tractations, euh, un stand sur la voie verte, du, de l'affichage sur les panneaux euh, de co sur la face municipale. Euh, il y a eu même des prises ce de position... Ce ne sont pas des panneaux de co, ils n'ont rien à voir, panneaux de co. Euh, pardon, panneaux, panneaux publicitaires, d'affichage publicitaire, pardon. Euh, et euh, même des prises de position dans des, à un moment donné d'élus dans certaines associations. Donc, sans possibilité de répondre, évidemment. Donc, je trouve que c'est un peu forcé. Et puis, en plus, euh, bah, même pendant un temps, la pétition ne renvoyait même plus sur euh, le dossier de concertation. C'est-à-dire que les gens signaient seulement, avaient juste connaissance de, des visuels et des arguments alarmistes, parce que vous parlez de visuels, euh, mais les visuels qui ont été générés pour la pétition sont un grossier, trompeur et évidemment assez alarmiste. Euh, donc, voilà, je, je regrette quand même, parce qu'en réalité, cette pétition, enfin, je veux dire, ce mouvement d'inquiétude. Qui peut être légitime. Euh, bah, je sais pas. Le, la, toute cette campagne aurait pu simplement euh, pointer du doigt la concertation, euh, inviter les gens à euh, comment dire euh, en, en, euh, contribuer. Voilà. Et pas seulement cocher des petits des petits points sur une pétition, des petites phrases. Euh, je veux dire. Enfin, c'est les petites phrases telles qu'elles étaient présentées. On peut pas faire autrement. Ensuite, et pour finir, euh, et pour réagir sur les autres points donc sur les 5 mètres enfin sur les 7 mètres que vous évoquez euh, la métropole je veux dire on est en phase de concertation d'études euh, le projet peut évoluer et on passe, par exemple à 250 plus de pour être sur une, une voie un profil à 5 mètres comme évoqué dans notre vue ensuite pour ce qui est euh, du passage au sens unique euh, marçonnier, déjà toujours c'est une hypothèse voilà c'est toujours bien important de le souligner donc euh, ce sera soumis à des études complémentaires. Seulement les premières études montrent que sur euh, des heures, à euh, deux heures de pointe, ça ne concerne pas tant que ça de véhicules. Je veux dire, il y a, et, et les études, les études vont le, pourront con, enfin, peut-être conforter ou non cette hypothèse. Voilà. Et enfin, euh, pour ce qui est du nombre d'avis et de votes, euh, on n'est pas The Voice ici. C'est pas la quantité de votes qui compte, c'est la qualité des propositions. Merci. Bien. Ouais. Je, juste quelques éléments factuels, parce qu on va passer la soirée. Euh, sur la concertation X-Gilles, je suppose que c'est Xavier Gilliard. Voilà. Vous avez donc euh, émis quatre propositions: dix votes, six votes, deux votes, quatre votes. Euh, monsieur Michon a proposé huit propositions sur la concertation organisée, bien sûr, sur le site de la métropole de Lyon. 215 votes, 243 votes, 214 votes, 503 votes, 282 votes, 211 votes, 285 votes, 471 votes. Alors, si effectivement le peuple qui ne pense pas comme vous euh, a tort, on peut aller très loin. Et je pense qu'aujourd'hui, l'illustration que vous dénoncez au quotidien en est l'illustration. Donc voilà. Je, simplement, ça, c'est factuel. Et j'ai l'impression que ce soir, on est vraiment dans le monde merveilleux des bisounours. Quand je vous entends, euh, M. Fèvre, euh, par rapport aux propos, je rappelle tout simplement que si on prend simplement ce qu'il y avait devant l'infirmerie protestante, où je ne sais pas par quelle magie, euh, effectivement, on arrivait à supprimer 80 places ou même dans certaines options, il n'y avait même plus d'arrêt possible pour les gens, pour déposer simplement les malades, pour qu'ils aillent en traitement. Mais enfin, tout ça, c'est une réalité. Par ailleurs, permettez-moi d'avoir des doutes quant au comptage. Il se trouve que, monter de la boucle, on a posé notre propre compteur. Et quand on compte avec notre propre compteur, on trouve quatre fois moins de cyclistes que quand c'est la métropole qui compte. Ça, c'est factuel. Ce sont des choses qui sont... Là-dessus, tout à fait clair. Je vais essayer peut-être M. Michon de compléter, essayer une ou deux interventions. Mais ça, c'est des éléments qui sont factuels. Je ne veux pas revenir sur, 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 sur l'ensemble des points, mais enfin, euh, il y a eu une pétition qui a été lancée. Vous parlez de campagne de désinformation, de manipulation, de je ne sais quoi, que les personnes auraient été trompées. Très bien. C'est vous qui l'entendez le, ainsi. Je pense que ceux qui ont signé, en ayant bien compris quel était le projet, euh, ayant bien compris qu'on n'était pas là pour détourner quelques informations, euh, euh, entendrons votre remarque euh, là-dessus. Euh, les, les choses sont, il me semble, suffisamment claires. Quand on dit qu'on s'oppose à la suppression des passes de parking sur la protestante, qu'on ne souhaite pas l'élargissement et le revêtement. Euh, quel qu'il soit sur, sur la voie verte et qu'on ne souhaite pas la, le double sens sur l'avenue Marxanier, le, le sens unique sur l'avenue Marxanier. Je ne vois pas en quoi on est sur de la campagne de désinformation ou de la manipulation d'opinion. Euh, enfin voilà, le, le résultat est, est, est là. Il me semble qu'il vous plaise ou pas, c'est un résultat significatif en tout cas sur le souhait des habitants. Voilà, moi je note simplement que si on résume sur les points qui ont été évoqués, vous voulez utiliser la voie verte. Vous voulez l'agrandir, vous voulez bétonner une partie de la voie verte, tout ou partie d'ailleurs, ça c'est quand même des choses qui sont factuelles et qui sont euh, très claires. Euh, dans cette approche-là, c'est quand même un message, euh, vous ne revenez pas en arrière par rapport à ces sujets-là. Je pense que quand vous avez euh, plus de 14 000 personnes, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui sur la métropole par rapport à une thématique qui regroupe autant de votes, autant de votes, dans un délai très court. Hein. Ça s'est passé en 20 jours, en 20 jours, un mois maximum. Donc dans l'approche qu'il y a, et quand on a un tel succès, c'est que, euh, et une non prise en compte de ceci, je cite M. Bagnon, alors il le disait sous le ton de la boutade, euh, quand nous étions euh, lors de la première réunion à 6 900 et des poussières, il dit à 10 000, je retire. Ah, on est à 14 500. Donc euh, dans cette démarche-là, ça veut bien dire que... La réunion qu'il a eu lieu de présentation, et en particulier, et là aussi, j'ai été très sensible aux documents, euh, 4 pages ou 8 pages, en euh, papier glacé distribué par la métropole, distribué dans toutes les boîtes aux lettres, avec les photos. D'ailleurs, les photos qui ont été présentées sont sur, sur celles de la métropole. Nous hein. ne vont rien inventer euh, par rapport à tout ça. Eh bien, malgré ça, ça a encore suscité des adhésions supplémentaires contre. Ce projet. Donc, on ne peut pas, euh, par, à partir de là, dire que les, que les dés étaient pipés. Et ce soir, comme on est dans le monde merveilleux des bisounours, on se dit ah bah, finalement, oui, c'était bien, etc. Que n'aurions-nous nous eu comme réponse si nous n'avions rien fait Si nous avions laissé les choses telles quelles Bien évidemment, nous sommes là au service des caluarars. Comme on l'a rappelé sur d'autres domaines, la majorité est présente sur tous les sujets qui concernent les caluarars. Vous, vous êtes absent, en particulier les Verts et le Parti Socialiste, sur des éléments majeurs. Euh, qui aujourd'hui constitue euh, le, le fonctionnement de la commune de Calvacuir. Je vais laisser euh, M. Michon euh, compléter, et ensuite nous procéderons au vote. Vous interviendrez, mais après on ne va pas y passer la, la journée. Ce qui a été indiqué y, y, est clair. Je ne pense pas qu'on puisse euh, évoquer euh, 50 choses. Je vous en prie. Bon alors, allez-y, intervenez, je vous en prie. Oui, alors, parce que je voudrais réagir, parce que c'est un débat, nous réagissons euh, aux propos des uns et des autres. Sur la désinformation, vous semblez douter, M. Michon, qu'effectivement, il y ait des personnes qui se sont senties trompées. Oui, il y a des personnes qui se sont se senties trompées. Euh, oui, sont senties, euh, trompées. Donc, je, je vous redonne quelques témoignages. Euh, Madame D, 70 ans. J'ai signé D, la pétition nom, distribuée le dame. samedi 8 avril et Mme Y, y donnez un nom. Mme D, c'est qui Eh bien non, parce que les gens ont peur, si vous voulez, de témoigner. Mais ils ont peur de quoi de... Non, 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 ça... non M. Cochet. Non, monsieur Cochet, si j'avais donné un nom, euh, vous, vous m'auriez dit le contraire. Vous m'auriez dit vous n'avez pas cité les, les gens euh, qui, qui portent témoignage. Euh, Parce que si c'est Madame D, couche, on la etc. connaît. Elle, elle nous a écrit on a retiré sa, sa signature. Donc, non, mais vous, euh, voilà. Bon, je continue. Donc. Madame D, 70 ans. J'ai signé la pétition distribuée le samedi 8 avril sur la voie verte. Beaucoup de personnes discutaient et s'inquiétaient de lire sur le tract que la voie verte allait être transformée en autoroute à vélo. Cela m'a fait très peur à moi aussi et je me disais que je ne pourrais plus aller m'y promener. Je regrette de ne pas avoir pris le temps de la réflexion, j'ai fait confiance. C'est la mairie tout de même. Madame V, 65 ans. J'habite Caluire depuis deux ans et je trouve très agréable de pouvoir aller marcher sur la voie verte. Lorsque j'ai reçu le tract dans ma boîte aux lettres et que j'ai lu On que la va voie va verte allait pas. être écoutez, transformée en vélo, j'ai pris peur. Euh, j'ai tout de euh, suite signé les, et rapporté les, le les document à la mairie. J'ai fait écoutez, confiance. Je le regrette. Euh, Monsieur Cochet, vous... euh, non. vous euh, avez fait votre liste, on vous a écouté, euh, bah, finissez d'écouter monsieur non, mais, Trotignon. Euh, m vous avez fait votre liste tout à l'heure sans dire vous êtes, le nom je des personnes vous avez une extinction de voix monsieur Gilliard, je vois que ce n'est pas le cas. Donc je vais maintenant euh, je vais maintenant procéder chacun s'est exprimé. Réponse Nous allons je, maintenant réponse procéder par rapport euh, euh, au vote. des différents éléments non, qui non, monsieur ont monsieur cocher, été. Cochet, le débat euh, n'est pas terminé. Monsieur Et d'abord concernant l'amendement présenté par monsieur Écoutez, s'il vous plaît. semble-t-il. Le L'amendement semble bon, euh, pr... présenté euh, donc par M. Laurent Michon au, euh, donc, au nom du groupe majoritaire, qui est pour cet amendement. Du coup, est pas... Qui est contre Qui s'abstient Je vous remercie. Nous passons maintenant au vote sur les amendements présentés par M. Gilliard ou M. Fèvre euh, pour le groupe Urgence écologique et solidarité. Concernant l'amendement numéro 1 de M. Gilliard, qui est pour Contre Abstention Je vous remercie, il est rejeté. Concernant l'amendement numéro 2 de M. Gilliard, qui est pour Contre Abstention L'amendement est rejeté. Concernant l'amendement numéro 3 de M. Gilliard, qui est pour, contre, il est rejeté. Concernant l'amendement numéro 4 de M. Gilliard, qui est pour, contre, attention, il est rejeté. Concernant enfin l'amendement numéro 5 proposé par M. Gilliard, qui est pour, contre, abstention, l'amendement est rejeté. Ensuite, concernant le sous-amendement proposé par M. Michon à l'amendement numéro 1 de M. Attar-Bérou. S'il vous qui... plaît. Nous non, mais s'il vous nous... plaît, je suis en train de faire le, le vote. Hein, donc. Ah, nous demandons est... une, interruption est... de séance, une interruption de séance, s'il vous plaît. Quand le vote est lancé, c'est trop tard. Il faut le demander avant. Ouais, donc, bah, vous concernant vous le sous-amendement proposé par M. Michon à l'amendement numéro 1 de M. Attar-Bérou, qui est pour Contre Abstention le sous-amendement proposé par M. Michon est donc adopté. L'amendement numéro un proposé par le groupe Calure au cœur se trouve donc complété. Je mets donc à présent aux voix l'amendement numéro 1 de M. Attarberou, tel que modifié à l'instant par le sous-amendement adopté par le Conseil municipal, qui est pour, contre. Abstention, je vous remercie. L'amendement numéro 1 de Caluire au cœur, tel que modifié par le conseil municipal sur proposition de M. Michon, est adopté et vient donc compléter le projet de délibération. Nous passons ensuite à l'amendement numéro 2 de M. Attar-Bérou, qui est pour, contre, abstention, je vous remercie, l'amendement est rejeté, concernant l'amendement numéro 3 de M. Attar-Bérou, qui est pour, contre, L'amendement est rejeté. Concernant l'amendement numéro 4 de M. Attarberou, qui est pour Contre. L'amendement est rejeté. À présent, nous allons donc pouvoir voter sur le rapport 2023-055. Ce rapport a été complété par l'amendement de M. Michon et l'amendement numéro 1 de M. Attarberou, tel qu'amendé lui-même par le sous-amendement de M. Michon. Donc, concernant ce texte complété, qui est pour Contre. Il est adopté. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Ah oui, il y a les voeux, pardon, excusez-moi. J'ai oublié, il y a les voeux qui ont été également émis. Donc, Après, monsieur, on souhaiterait donc une interruption de séance, s'il vous plaît, de 10 minutes. Accordé. Merci. Bien, si vous avez terminé, on va pouvoir regagner nos places, s'il vous plaît. Bien, si vous voulez bien, on va reprendre donc, le cours euh, donc, de, ce, de, de ce conseil, avec notamment un premier vœu euh, donc, euh, qui est le 2023 056 euh, sur harmoniser et apaiser les déplacements entre tous les usagers de la voie verte, donc proposé par Urgence Écologique et Solidarité à Caluire. Vous avez la parole pour présenter ce vœu, je vous en prie. Bonjour merci, bon, bonjour, merci aussi pour cette interruption de séance. Donc sachez que enfin, donc nous allons... Euh, Monsieur Trottignon va réagir euh, avant cela. Oui, parce que je, je souhaitais réagir. Nous allons retirer no, notre vœu, mais je souhaitais réagir sur la question du soi-disant bétonnage et de la soi disante artificialisation de la, de la voie verte, puisque vous nous avez interrompu euh, tout à l'heure. Euh, on a donc un projet de... de 7 qui, soi-disant... Euh, selon ouais, les Je, de la pétition, je, je suis non, mais, Monsieur, monsieur Trottignon, je suis désolé. Il y a des règles. On est en train de présenter un vœu. Donc, présentez le vœu que vous souhaitez, que vous souhaitez, ou à moins que vous ayez du mal à assumer le fait que vous vouliez agrandir la voie verte, etc. Je rappelle oui. que, enfin. Euh, un ordre du jour d'un mmh. conseil municipal, ce n'est pas, pas quelque chose souci, qui est, est n'importe quoi. Parole, Donc, je vous demanderai reprises. de présenter votre vœu et, et de pouvoir intervenir par rapport ce à ce vœu. Donc vous avez la parole concernant le vœu que vous devez présenter. Et couper la parole en hein. plein d'intervention voilà. c'est pas cool. Non, comme okay. disait M. Manini très justement l'autre jour à l'occasion d'un conseil. <laughs> euh, donc je voilà, que on, que... Est, on est constamment avec une parole coupée. Bon. C'est pas normal. Non, je vous rappelle normal. simplement le fonctionnement d'un conseil municipal. Donc s'il vous plaît, Mais vous intervenez autre chose, euh, sur le rapport 2023-056 concernant mmh. le vœu que vous avez émis sur harmoniser et apaiser les déplacements entre tous les usagers de la voie verte. Mmh. Donc nous, voilà, nous avons à... largement. Euh, aborder les sujets qui sont dans ce vœu au cours du débat et au cours de nos amendements. Donc nous avons fait le choix effectivement de retirer ce vœu. Très bien. Donc il euh, n'y donc a même pas de vote étant donné que vous retirez le vœu. Je vous remercie. Nous poursuivons. Avec euh, le rapport 2023-057 sur le vœu du conseil municipal, déploiement de stations Vélove à Caluire-et-Cuire, sur ce vœu proposé conformément à notre règlement intérieur par la majorité et qui prendra le numéro 2023-057, je cède la parole à Monsieur Michon. Oui, merci Monsieur le Maire. Conformément à l'article L. 21 29 du code général des collectivités territoriales. Et à l'article 12 de son règlement intérieur, le conseil municipal peut mettre des vœux sur tous les objets d'intérêt local. La majorité municipale propose ainsi le vœu suivant consciente de l'évolution des attentes et des besoins des caluire en termes de mobilité et toujours soucieuse de faciliter leur quotidien, la ville de Caluire-et-Cuir est aujourd'hui la seule commune de la métropole, avec Lyon, à offrir l'ensemble des alternatives aux véhicules particuliers. Ainsi, les habitants ont-ils à disposition pour leurs déplacements les voitures en autopartage sans station de l'opérateur Léo Ngo, les trottinettes en libre service DOT et les véloves Si l'offre automobile et trottinette est aujourd'hui satisfaisante, puisqu'elle irrigue l'intégralité du territoire communal, ce n'est en revanche pas le cas des stations véloves, qui, au nombre de cinq, sont clairement insuffisantes pour répondre à la demande des caluireurs rares dans tous les quartiers et en particulier. Les plus éloignés de la ville de Lyon. À l'occasion de sa séance du 28 février 2022, le Conseil municipal avait sollicité la métropole de Lyon pour la création d'une quinzaine de stations Vélov supplémentaires. Cette demande avait par ailleurs été réitérée dans un vœu le 17 octobre dernier. Notre appel est à ce jour resté sans suite. Le financement du déploiement et de l'amélioration du réseau repose en grande partie sur la publicité. Force est de constater que l'évolution du réseau Vélov est suspendue au bon vouloir de l'exécutif NUPES de la métropole de Lyon, dont la position doctrinaire contre toute forme de publicité prive les Calurares de nouvelles stations. À l'heure où la métropole concentre ses moyens sur la création de son réseau express vélo de 250 km, autour de 13 lignes baptisées les Voies lyonnaises, il nous semblerait plus qu'incongru de laisser lettre morte notre demande d'installation de stations Vélov. Qui doit justement permettre aux habitants qui n'ont pas de vélo particulier de pouvoir eux aussi profiter de ces nouvelles infrastructures. C'est pourquoi les élus de la, du conseil municipal de Caluire-et-Cuire demandent solennellement à la métropole, par le vote de ce vœu, de créer de nouvelles stations véloves à Caluire-et-Cuire, notamment aux emplacements suivants hôtel de ville radiant, centre bourg, place du Vernay, place Gutenberg, square Brosset, square Elivinial. Clémenceau vers le pont Paul Bocuse et au bas de la montée Castellane, place Foch, chemin Petit, chemin de Vassieux-Belair, route de Strasbourg, rue Pasteur, montée des Forts, square Lassagne, gymnase André Cusin, piscine Isabelle Jouffroy, gymnase Charles Sénard, gymnase Lachaise. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce vœu. Merci, monsieur Michon. Y a-t-il des d'intervention Oui, il y a monsieur febvre et ensuite monsieur Mathieu. Merci. Donc, à la lecture de ce vœu, bah, on ne va pas spécifiquement s'y opposer, puisque nous avons déjà encouragé le déploiement des stations Vélov à et cuire Par contre, on est un peu contraint de vous soumettre des amendements. Et typiquement, donc enlever sur le paragraphe numéro 1, 2, 3, 4, 5, la phrase que je cite Force est de constater que l'évolution du réseau Vélov est suspendue au bon vouloir de l'exécutif NUPES de la métropole de Lyon dont la position doctrinaire contre toute forme de publicité prive les Calurares de nouvelles stations. Et supprimer ensuite la phrase qui suit Il nous semblerait plus incongru de laisser l'être morte. Ce qui permettrait d'avoir la phrase plus simple À l'heure actuelle où la métropole concentre ses moyens sur la création de son réseau express vélo de 250 km autour de 13 lignes baptisées les Voies lyonnaises, notre demande d'installation de stations véloves, qui doit justement permettre aux habitants qu'ils ont. Nous réitérons, pardon. Oui. Nous, nous réitérons notre demande d'installation. Pardon. pardon. Euh, juste On est obligé de réagir. Parce qu'il me semble quand même que sur ce point-là, on, on a déjà évoqué ici, en gros, le contrat avec euh, JC Deco, il a démarré en 2017. Et il court jusqu'en 2032. On a déjà fait une intervention là-dessus. Il, il prévoyait 80 nouvelles stations. Qui ont toutes été déployées. Le contrat établi par la majorité précédente ne prévoit pas la création de bornes Vélov supplémentaires. Ce n'est, en l'état, pas possible en, pour cette raison, euh, et, et c'est normal qu'il n'y en ait pas eu de nouvelles. Par contre, il est possible qu'il y en ait des nouvelles. Et il faut renouveler ce vœu. Et c'est logique. Euh, parce que la, la métropole travaille justement dans ce sens avec les exploitants du service afin de développer. Et d'augmenter enfin, la possibilité de, de, de le faire. Euh, mais bon, vous est bien compte que ça prend du temps. Et d'ailleurs, je me permets de remercier les services techniques à la fois de la mairie de Caluire, les services techniques de la métropole, qui travaillent d'arrache-pied, tant pour un projet que pour l'autre. Et, et voilà, il faut y penser. Juste petite précision, euh, peut-être, je ne sais pas sous quelle forme, mais demander que pour l'hôtel de ville et le radiant, qui souffrent de logique d'accès, notamment pour les spectacles, qui est peut-être une station un peu plus conséquente avec plus de vélos, euh, voilà pour répondre peut-être à une demande et soulager le, le stationnement, euh, le besoin de stationnement qui, qui découle du stationnement sauvage. Merci. Je vous remercie, Monsieur Mathoty. Merci. Donc, à la lecture de, de ce vœu, j'apporterai euh, des amendements identiques à ceux de M. Fèvre. Si ce n'est peut-être une modification euh, sur le paragraphe euh, qui démarre par notre appel est à ce jour resté sans suite, je ne garderai que cette phrase-là et je supprimerai la partie qui va du financement du déploiement, etc., jusqu'à euh, prive les de nouvelles stations. Et dans le paragraphe suivant, je, je propose comme amendement euh, que nous puissions écrire. À la place de à l'heure où la métropole concentre ses moyens sur la création de son réseau express, mais plutôt à l'heure où la métropole développe la création de son réseau vélo express, etc., etc. jusqu'à voie lyonnaise, et d'enlever la phrase, il nous semblerait plus incongru de laisser euh, lettre morte notre demande. Je remplacerai par euh, nous, nous renouvelons notre demande d'installation euh, de station vélove Voilà les deux les propositions d'amendement les que, je, que je ferai par rapport à, à ce vœu que je. On a toujours souhaité l'installation de Vélov, même si on sait qu'elle est contraintes. ça paraît quand même aussi intéressant dans le cas du plan vélo. Merci. Je vous remercie. Donc, je vais d'abord mettre aux voix les sous-amendements du groupe de M. Gilliard, qui est pour ces sous-amendements, qui est contre. Sous-amendement rejeté. Concernant le sous-amendement de M. Matosi, qui est pour, qui est contre. Sous-amendement euh, donc rejeté, je mets donc ce vœu aux voix qui est pour, contre, abstention. Je vous remercie. Donc ce vœu est donc adopté. Nous poursuivons avec le vœu euh, donc euh, rapport 2023-058 sur la création d'aménagement de la voie lyonnaise 7. Pour ce dernier vœu de la soirée donc euh, qui prendra le numéro de libération 2023-058, je laisse la parole à Monsieur Attar Bérou. Vous avez la parole monsieur Tabou. Merci monsieur le maire, merci euh, donc euh, mes chers collègues donc, euh, je vais essayer donc voilà. de terminer donc bien donc, la soirée donc, euh, le groupe Caluire Rockeur souhaite rappeler en préambule de son soutien à cette très belle invention depuis donc 1806 qui a été donc, le moteur donc, à explosion par les frères les frères Nieps 1 3 4 2 il, est, il a été décliné sous différentes formes et notamment donc équipé, équipé donc, et constitué les pièces maîtresses de nos voitures et de nos moyens de transport. Cette invention a permis un bond considérable dans l'évolution de nos sociétés. Nous ne devons pas la négliger. Et à l'heure où bon nombre donc, souhaite décarboner notre atmosphère et donc jeter au rebut donc, cette invention, elle ne peut être donc, que conservée, améliorée, afin de... Pro afin de produire plus efficacement, moins polluant et moins contraignant. Par ordre croissant de l'importance des transports, celui pédestre reste le plus utilisé, suivi du transport en commun, la voiture et enfin les trottinettes et les vélos. Ce dernier reste quant à lui un mode de transport marginal, qui n'a donc d'écologie que le nom ou la volonté donc de certains. Du fait de sa composition en fer ou en carbone, et utilise donc des huiles pour son fonctionnement et des batteries. Même s'il est appelé donc mode doux, il n'est pas moins donc un transport comme les autres, pas plus vertueux. Si certains donc, et si certains exécutifs ont décidé de transformer donc nos modes de transport donc sans peu de concertation et en l'absence donc de considération au vu de l'intérêt général, il est souhaitable de revenir donc à une politique beaucoup plus raisonnable permettant donc en prenant en compte l'avis de chacun et une vue d'ensemble sur un schéma de transport pour plusieurs décennies. Si nos grands anciens parisiens ne s'étaient pas projetés donc dans l'avenir, il y a 100 ans, aurions-nous aurions un métro avec ses 309 stations et ses 16 lignes Dans ce vœu, nous souhaitons donc introduire. Certaines notions qui doivent prévaloir à l'utilisation du vélo et à son organisation dans le schéma des transports. Une obligation de réglementation passant par un permis, un contrôle technique, l'obligation d'observer le strict code de la route et voir donc un bon usage en respectant le droit de tous et notamment des piétons. Moyen le plus écologique de transport. De pouvoir, donc, en toute sécurité, se mouvoir et se déplacer. Si notre Conseil municipal n'est pas compétent sur ces différents points, nous soumettons à votre approbation symbolique ce vœu. Souhaitant que le financement utilisé pour cette voie cyclable soit consacré à l'allongement de la ligne B, essai du métro, transport d'intérêt général, étant le plus efficace en nombre de passagers et en personnes transportées. Nous souhaitons qu'au vu donc, de ce projet, il soit construit donc, des voies donc, pédestres propres, permettant donc, le déplacement dans toute la métropole en toute sécurité pour ceux qui le souhaitent. Enfin, notre groupe souhaite que sur la voie verte, les vélos adultes soient interdits, qu'elle reste un espace arboré, végétalisé et naturel, permettant ainsi aux piétons de pouvoir l'emprunter à titre individuel ou en famille, tout en préservant la biodiversité. Que cette voie verte soit donc agrandie de façon à créer une ceinture autour de l'espace dit des maraîchers, permettant donc la future création d'un parc paysager <coughs> qui pourrait être le quatrième poumon de l'agglomération. Le bouclement donc de cette voie verte, en passant par l'avenue Maréchal-Leclerc, éviterait donc aux piétons de faire donc des allers-retours en organisant un sens de promenade. Voici, mes chers collègues, voici, monsieur le maire, le vœu du du groupe Caluire au Cœur en vous souhaitant et en soumettant donc ce vœu à votre approbation. Je vous remercie, y a-t-il des demandes d'intervention Il n'y a pas de demande d'intervention, je mets donc ce vœu aux voix qui est pour contre abstention. Ce vœu donc n'est pas adopté. Je vous remercie et donc je vous rappelle que la prochaine réunion du conseil municipal aura lieu lundi 5 juin et je vous rappelle également le grand pique-nique sur la voie verte qui se tiendra donc fin juin également. Bonne soirée à vous tous, merci.